Jérémy, bonjour, on est ici au Havre, vous êtes venu ici, vous êtes remonté de Marseille jusqu'au Havre pour le Sailors Film Festival. Pour le soleil on est venu. Pour le soleil également, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous préciser déjà un petit mot sur le Sailors Film Festival, ce à quoi ça correspond? Ben ouais, c'est un festival de voile au cinéma, donc il y a pas mal de sports déjà qui font ça, je sais qu'il y a Montagne en Seine qui font des trucs sur le outdoor, etc. Et là on a la chance d'avoir... des gens qui ont monté ça pour mettre la voile en avant et la course au large en général, donc c'est très sympa parce que on voit plein de projets différents, des aventures humaines, donc on a hâte de voir les films qui vont être diffusés. Bon, alors vous deux, justement, vous parliez de la voile, c'est votre domaine, vous êtes réunis maintenant depuis quelques mois ensemble. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur votre binôme? Comment est-ce que vous êtes retrouvés tous les deux ensemble? Donc Jérémy, moi ça fait pas mal d'années qu'on se connaît, on s'est côtoyé en équipe de France quand le 470 c'était une discipline à la fois masculine et féminine. Et là pour la prochaine Olympiade, pour les Jeux de 2024, le 470 est devenu une série mixte. Et donc on a décidé de faire équipage dans le but d'aller chercher une petite médaille à Paris. D'une médaille à l'autre, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelques mois, vous avez conquis la médaille mondiale, la troisième place, médaille de bronze en Israël. Là, on est allé à 500 jours des Jeux maintenant. Comment est-ce que ça va se passer, justement, là, les dernières lignes droites avant les Jeux de Paris 2024? Il y a une grosse saison qui nous attend. On a fait un championnat du monde ensemble, mais là, on a toute une saison à faire ensemble et on ne l'a pas encore vécu. Donc, il y a cette grosse saison qui arrive en 2023 et qui va nous servir à l'issue de laquelle on aura une qualification olympique potentielle. Donc, c'est notre prochain objectif, c'est de décrocher la qualif olympique. Il y a un seul représentant par pays. Donc, on a ça comme prochaine étape, on va dire. Et on a aussi comme étape... dans notre tête de consolider notre jeu pour pouvoir vraiment être tout le temps aux avant-postes et essayer d'aller décrocher le rêve qu'on aimerait bien avoir.